Bonjour YouTube. Alors, j'ai prévu de faire des jeux qui s'appellent Senran Kagura Shinobi Versus et Senran Kagura Bon Appétit, par curiosité. Parce que ce sont des jeux qui ont une réputation relativement sulfureuse. Et donc, je suis curieux. Hein. Je suis curieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouaient à ces jeux-là qui m'ont dit « Oui, mais alors, effectivement, il y a des boobies et puis c'est tout ça, mais le jeu en lui-même est vachement bien, il faut pas s'arrêter à ça. Hein. » Ils ont aussi soigné le gameplay. Et du coup, je suis curieux. Et étant quelqu'un extrêmement soucieux de mes métriques, comme vous le savez, j'ai dit métriques, calmez-vous, je tenais à faire effectivement ces jeux et ces découvertes en live, parce que qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Donc, un peu comme Dead or Alive, exactement. Donc je me suis dit, on va faire ça en stream. Et la connexion qui meurt, très bien. Ou la connexion meurt ou j'ai été banni de Twitch, hein. /120 kbps, ah bah ça va être pratique pour le stream. Magnifique. Bon, on va attendre. C'est pas... Allez, on revient. Rebonjour. C'est... D'accord, je viens de recevoir un message d'un certain Jeff B. Hein, je sais pas si vous m'entendez du coup. Mais oui, je viens de recevoir un mail d'un certain Jeff B. Bonjour Dame Tempête, qui m'a dit si tu streams ces deux jeux-là, tu pourras aller sur Mixer, espèce de connard. Donc je sais pas si je le prends personnellement ou comment je dois gérer les choses en fait. J'hésite. J'hésite, je ne sais pas. Alors. Du coup. Qu'est-ce que tu as dit, Ned Kong? J'ai loupé ça. De toute façon, il faut s'arrêter au bout de... Non, Ned Gang, tu calmes, s'il te plaît. Héros, coucou, Dame Tempête, bonjour tout le monde, si jamais... Voilà. Ok, donc, disais-je. Prévu de faire Senran Kagura Shinobi Versus et Senran Kagura Bon Appétit. Sauf que, en préparant le stream hier soir... je tape donc Senran Kagura Shinobi Versus dans la fenêtre de, vous savez, pour Twitch, pour le titre du jeu. Et tiens, vous savez quoi, on va faire le test en live pour vérifier si c'est moi qui ai fumé du mauvais shit ou pas. Alors, attendez, je vous demande juste un court instant. Hop, on va prendre ça, je mets ça ici et on fait... De la merde, parce que je ne sais pas taper avec un clavier, c'est compliqué, il y a plein de touches partout. Hop. Pourquoi? D'accord. Ok, il n'y a plus rien qui marche. Parfait, c'est une bonne nouvelle ça, je vois pas ce qui pourrait mal tourner. Voilà, avec un clavier qui marche, ça marchera tout de suite mieux. Ok, très bien, et on essaye. Voilà. Comme l'a dit Majam Justin, une erreur s'est produite lors de la mise à jour du jeu, c'est normal. Alors, puisque Senran Kagura Shinobi Versus n'a pas de page Twitch. Ou plutôt, il a une page Twitch, et la page Twitch a été supprimée. C'est-à-dire que si vous faites une recherche Google, vous allez voir que la page Twitch a existé à un moment. Et la page Twitch a été vraiment, visiblement, volontairement dégagée. Ce qui est ironique parce que d'autres jeux Senran Kagura, dont Bon Appétit, ont une page Twitch complètement normale. On va essayer Shinobi Versus, effectivement, à tout hasard. Mais il me semblait avoir fait plusieurs essais hier soir, et voilà. Non, je te promets, Dame Tempête, j'ai regardé. Le jeu a une page Twitch, la page Twitch, et c'est supprimé. Volontairement, en fait. C'est clairement une volonté de Twitch. Alors, je regarde ça, je fais « Oula !» Smells like piège à con. Donc, je vais aller sur la page des jeux interdits sur Twitch. Puisque sur Twitch, vous avez une page qui vous dit clairement « Vous n'avez pas le droit de streamer ces jeux-là. » Et donc, je vais vous demander un court instant.
puisque nous allons prendre quelques instants pour regarder cette page ensemble. Donc, Twitch Banned Games. Voilà. Liste de jeux prohibés de Twitch. Les jeux qui sont interdits de diffusion sont basés sur deux critères. Le rating ESRB officiel est Adults Only, où ce jeu viole les guidelines de la communauté en termes de incitation à la violence ou racisme et compagnie, sexe, nudité, gore gratuit ou violence extrême. Donc, y compris dans ce Adult Only aussi les titres, enfin les équivalences dans les autres régions, sont inclus par contre, ne sont pas inclus, enfin sont permis, les versions Adult Only de certains jeux comme GTA San Andreas, Fahrenheit, Indigo Prophecy et compagnie. Donc, tous les jeux Adult Only / 18+, sont interdits, ainsi qu'une liste de jeux qui n'ont pas eu de rating parce qu'ils sont que sur Steam, etc., où on vous donne effectivement une liste de jeux assez impressionnante, hein, dans laquelle il y a Artificial Girl 1, 2 et 3, BMXXXX, hein, qu'on salue aussi, Dramatical Murder, Ethnic Cleansing, Genital Jousting, Harem Party, Honey Pop et Honey Cam Studio, Porno Studio Tycoon, Purino Party, Rinse and Repeat, Sakura Angel, Second Life est interdit aussi, Witch Trainer, etc., What's Under Your Blanket, etc. etc., etc. Oui, c'est vrai, certes. Bien vu, Dame Tempête. Merci beaucoup, Dame Tempête, d'avoir offert un abonnement à Ultima. C'est absolument adorable, ça. Qui offre la carte Platinum, comme ça. Merci beaucoup. Donc, je lis ça, et je me fais... Mais attendez, Sengen Kagura Shinobi Versus, il n'était pas sorti sur console. Si, si, il est sorti sur PS4. Ah. Et sur PS4, il avait... quel rating ? 16+. 16+. D'accord. Bon bah 16+, du coup, 16+, c'est censé passer. She Wish Punish Them n'est pas dans la liste. Ok, 16+, d'accord. Par contre, est-ce que... Alors, et à ma connaissance, après renseignement et une petite enquête, il n'y a pas de nudité totale dans le jeu, à moins qu'elle soit juste insinuée. Il n'y a pas de full frontal nudity, en tout cas. Et il n'y a pas de sexe à proprement parler. Donc, techniquement, le jeu est complètement dans les community guidelines. Et en fouillant encore un peu plus, j'ai trouvé que certaines personnes ont été bannies en 2015 à cause de la diffusion du jeu, mais c'est parce qu'ils ont insisté sur les éléments... Chouette un drama. Mais non, ça va aller. Merci Barberousse, en tout cas, pour ce 5e mois de Platinium. Absolument adorable. C'est parce qu'ils ont insisté sur les éléments sexuels du jeu. C'est-à-dire que vous avez le droit... C'est ça, Barberousse. Bah, en fait, c'est que tu es numéro 1 des abonnements offerts sur la chaîne pour ce mois-ci, puisque octobre vient de commencer. Et bonjour à l'outre, bienvenue dans la Maison du Bonheur. C'est-à-dire que tu as le droit... de montrer le jeu. Alors, j'ai vérifié, hein, j'ai fait une enquête assez complète sur le sujet, Ultima. Tu as le droit de montrer le jeu à partir du moment où ton stream, c'est pas juste « Ah, regardez les boobs, attendez, on va zoomer dessus. Regardez bien les boobs, regardez les culs, regardez, on va zoomer dessus, regardez les culs. » À partir du moment où tu ne fais pas que ça, tu as le droit de montrer le jeu, mais il ne faut pas insister sur ces éléments-là et ils ne doivent pas être le point focal de ton stream. Donc, la manière dont on va faire les choses, c'est assez simple. Petit 1, nous allons donc essayer de diffuser ces deux jeux dans leur version la plus de base possible. Parce qu'il y a des options qui permettent de désactiver certaines choses, mais il y a un moment, voilà. En cas de scène un peu trop intensément lewd pendant le stream, j'aurai droit à un écran de protection qui sera installé.
Hein. J'ai une touche sur le Stream Deck qui me permettra à tout moment d'activer un écran de protection qui devrait nous protéger des images pernicieuses. Si jamais, au bout de quelques minutes, une demi-heure, une heure, sur Synovie Versus, je me rends compte que c'était effectivement une bonne idée et que nous n'arriverons pas à aller très loin dans cette histoire-là, on essaiera de passer sur Bon Appétit. Et même, même peine, même punition, si jamais au bout d'un certain temps sur Bon Appétit, on se rend compte que le problème est le même, on passera sur The Outer Worlds, parce que... Et c'est là, en fait. Et ça va sembler, moi qui essaie de faire un statement, mais c'est pas du tout le cas. Senran Kagura Shinobi Versus, c'est un jeu 16+. Officiel, hein, noté par le SRB, 16+. Bon Appétit est un jeu 16+. Ces deux jeux sont donc, comme on l'a défini, extrêmement limites dans les règles de Twitch, voire potentiellement bannis pour certains. Je crois que c'est un Erogame aussi, ouais. C'est 16+, à peu près. En tout cas, non, c'est 16+, officiellement. Et donc, extrêmement limite dans les règles de Twitch. The Outer Worlds est un jeu 18+, et je vous fous mon biais que je ne risque absolument rien pour le streamer. On va voir. On va essayer. Comme dit, je ne risquerai pas ma carrière. Hein. On appuiera sur le bouton dès que possible. On va essayer. Je veux dire, soyons francs, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Allez hop. Déjà, il faudra que la capture se passe bien et tout, c'est pas encore dit. Parce que j'ai fait des réglages vidéo déjà sur les jeux, mais j'ai pas encore essayé de les capturer. Marvelous. Alors, par contre, on va se détendre au niveau du... Ah bah non, la capture marche du premier coup. Ah bah, quelle chance. Bien. Ok, on peut juste avoir, s'il vous plaît, un petit peu de... Le curseur ressemble... Ah non, le curseur est un... On dirait un... Non, c'est... Ok, oui, non, c'est un shuriken, un truc comme ça, oui. Oui, bien sûr. Un kunai, oui, voilà. C'est un kunai. C'est... Ça n'est pas un... C'est un kunai. Ah, scène d'intro. Ah, je prépare tout de suite l'alerte au cas où. Ouais, bah jusqu'ici, ça va à peu près, quoi. C'est pas pire que dans Dead or Alive, sérieusement. Hein. Ouh, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, il y a quelques plans qui sont un petit peu... Bon, voilà. Oui, c'est pas pire que Dead or Alive. So far, so animé. Bon, cette jeune femme avait l'air un peu jeune, mais ça c'est pas très grave. C'est le Japon, c'est culturel. Bon, ok, la séance de... Ok, bon. D'accord, là, c'est un... Ok, d'accord, stop. Stop. Ah, l'alerte ne fonctionne pas. Pause. Ok, c'est bien, j'ai bien fait de le tester. L'alerte ne fonctionne pas. Il va falloir que je le corrige. Là. Non, ok, stop, 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 stop. Voilà, hein. On va tout de suite aller réparer l'écran d'alerte. Vite. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? D'accord, ok, très bien. Ok, je... Alors. Ah, parce que c'est pas le bon truc. Non, attendez. Où je l'ai mis? Ah si, c'est totalement le bon truc. Alors. Maintenant, ça a marché? Oui, maintenant, ça marche. Très bien. Donc. Voilà. Très bien, c'est prêt.
En cas d'urgence, maintenant, nous pouvons appuyer sur le bouton. Ok. Alors, naturellement, le jeu n'est qu'en anglais, hein, parce que c'est pas drôle sinon. Ah, apparemment, faut faire 50 sauvegardes différentes. Ah, c'est pas le problème des boobs, hein. Le problème des boobs n'était pas le souci, hein, Dame Tempête. Chaque lumière fait une ombre. Et dans les profondeurs de l'ombre, il y a la lumière. D'accord, très bien. Ce sont les chaque face d'une même pièce. Aucun ne peut survivre sans l'autre. Mais ils ne peuvent non plus jamais travailler ensemble. Ils sont condamnés à se battre dans une bataille sans fin. Et de cette bataille sans fin naît le principe de la balance. D'accord ? Oui ? Très bien. Ultima Yorel sur la même longueur d'onde. Ils se combattent à travers les âges de leurs ânes, tournant comme des danseurs dans les feux de la passion. Parfois la lumière gagne, parfois l'ombre gagne. Le yin et le yang toujours en conflit. Le monde des shinobi, c'est de la beauté et la mort. Et c'est aussi le cas dans l'école des shinobi. Des âges du passé au temps moderne, ces écoles entraînent chaque génération de shinobi. Il est dit qu'il y a plusieurs écoles de shinobi au Japon, mais personne ne sait exactement combien. Oui, c'est ça, Final Fantasy, exactement. Shinobi Battle Royale. Cette tradition de duel est passée de génération dans les écoles de shinobi, une bataille pour l'honneur, la vie de chaque étudiant, de chaque école de shinobi. D'accord. Okay. Ça ramène des étudiants shinobi de tout le Japon. Bonjour la petite pelle. Certains qui vont tout gagner et d'autres qui vont tout perdre. Bonjour, petite pelle. Voilà, soyez témoins des épreuves de ces étudiants dévoués qui vont dépasser leurs limites pour devenir shinobi, devenir plus puissants chaque jour, et prouver que pour ce moment-là, à ce moment, ils sont vivants. Ah! Ah, c'est tout de suite un choix extrêmement... bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous avez une préférence, le chat ? Moi, je suis ouvert. Hein. Je prendrais bien celle du milieu, perso, mais... Est-ce que ça, c'est un peu trop kill la kill ? Milieu ? Bonjour Chocostein, au fait. Pour la plus majeure des trois. Oui, c'est ça, c'est Fire Emblem. Oh, j'aurais dû tellement... Attends. Oh, j'aurais dû tellement mettre en jeu Fire Emblem Trios. A School of the Dead Shobi Tsuki de la Kill. Oui, c'est un peu ça, oui. Oui, au milieu, d'accord. Bah, au milieu, let's go. Fire Emblem Trisum. Y aurait un commentaire peut-être ? c'est un joli jour calme de février. Pas côtes, non, qu'est-ce que je cherche ? Les plaines vertes, île, c'est quoi de nouveau ? Pente ? Ah, je cherche le mot, bref. C'est. Oui, bref. Oui, d'accord. Donc je monte une pente qui est verte. Je vois le soleil derrière les montagnes. Parfait. Très bien.
Je me retourne et je regarde les autres. Murakumo. Ah oui, putain, il y aura plein de noms japonais. C'est mon plaisir parce que je sais toujours bien les prononcer. Yuzakura, Shiki et Minori. Marchent tous derrière moi. Colline, merci beaucoup. Je suis désolé. La lumière dorée du soleil réchauffe leur visage. Phil Colline, pourtant je m'en rappelle. Yumi, est-ce que tu as ramené le Daifuku à la fraise ? Quoi ? Est-ce que c'est une Minori ? Regarde dans mon sac. Bien sûr, je n'oublierai jamais de ramener le préféré de grand-père. Alors, d'accord, donc c'est une pâte de riz en petit gâteau rempli de fraises et de crème. Le fruit large et succulent dépasse complètement leur petite couverture blanche et est prêt à déborder à n'importe quel moment. Quand grand-père est tombé malade, les Daifuku à la fraise étaient sa principale source de sustenance. Certains qui seraient d'accord, d'accord. Ça fait un bail qu'on n'est plus venu voir grand-père, hein. Il n'y a rien, un grand sourire sur son visage en disant ça. Oui, c'est le cas. Le monde des shinobi appelle mon grand-père Kurokage. Un bon shinobi légendaire dévoué à l'abolissement du mal. D'accord, donc nous venons tous les cinq de familles de bons shinobi. On a perdu nos parents dans les conflits entre les mauvais et les bons shinobi. Grand-père, qui est un bon shinobi, nous a mis dans l'académie de Gessen. Pour payer nos dettes, nous sommes entraînés plus fort que n'importe qui et nous sommes devenus l'élite de l'école. Grand-père nous attend au bas de la colline. On est tellement excités de le voir qu'on a presque couru. Mais à ce moment, nous entendons un rire sauvage qui vient de quelque part. Il y a quelqu'un derrière nous, alors on se tourne et on voit un vieil homme dans un costume de chef de sushi. Et on se prépare pour la bataille. Cet homme n'est pas qui il semble. Il a une aura extrêmement puissante. C'est Hanzo. Quand j'entends ce nom, mon sang commence à bouillir. Je sais sans regarder que tous les autres sont de la même manière. Hanzo. Tous ceux qui veulent être shinobi connaissent ce nom. Des étudiants shinobi habituels pourraient s'agenouiller devant lui. Mais s'agenouiller devant cet homme n'est pas une option. Grand-père nous a prévenu sur Hanzo. Il était le rival destiné de mon grand-père. Je m'emmerde, je cherchais quelqu'un avec qui jouer. D'accord. Il nous fait un clin d'œil avec un sourire et disparaît. Le moment où je perds du regard des mains que je n'ai pas vues, attrape mes nichons par derrière. Oh, ils sont géniaux! Avant que je ne puisse réagir. Hanzo glisse de nouveau autour de moi. Espèce de dégénéré insolent! J'essaie de l'attaquer avec mon épaule, mais il se recule rapidement. Est-ce que tu sais que tu viens juste d'insulter l'élite de Gessen? Bien sûr! Je veux juste voir ce que des nichons d'élite. Comment se sentent des nichons d'élite? Hanzo ouvre et ferme ses mains répétitivement, puis disparaît à nouveau. Tout le monde, soyez sur vos gardes. Nous vérifions nos alentours pour trouver n'importe quel signe de lui. Je suis là. On se tourne vers la voix et il est derrière Murakumo. Easy squeezy, nice and pleasy. J'aurais du mal à traduire ça, tant soit peu.
Alors, il pétrit les seins de Murakumo et, reste, et alors qu'elle reste là, sonnée. Oui, d'accord, très bien. J'ai toujours voulu tripoter une muette pacifiste dans un masque d'orgue. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bah c'est ça l'histoire, hein, ton rôle, là. On est dans l'histoire, là. C'est assez ! J'essaye de le taper, mais il disparaît encore une fois. Ok, il fait ça avec chacune, c'est bon, on a compris. D'accord. Grand-père nous a prévenu, tu t'appelles un bon shinobi. Et pourtant, tu te contentes de laisser le mal fleurir. Tu n'es rien mieux qu'un pervers détestable. Nous avons été... nous sommes nés et nous avons été élevés pour détruire des hommes comme toi avec la lumière de notre pureté. Votre lumière ne m'a pas encore arrêté et je ne sais pas comment, à quel point vous pouvez vous appeler pur à ce point. Il a bouffé tous les trucs. Il a bouffé tous les daikuku à la fraise. Rends-les, please, s'il te plaît, juste rends-les. Ben non, il les a tous bouffés, il va pas pouvoir rendre quoi que ce soit. Je vais pas nous lire l'histoire sur Audible. Je suis tellement énervé que je sens que mon sang coule à l'envers. D'accord, donc lui refuse de nous battre, mais il... de se battre avec nous, mais il va ramener sa grande... sa petite fille. Bon. J'aimerais bien voir le jeu. C'est une vie Battle Royale, d'accord. D'accord, donc nous on va se battre contre Ebijo. L'Académie d'Ebijo, très bien. Nous avons enfin les ordres de nous battre contre des méchants Shinobi. Sensei, Hanzo-gakuin ni gakuen-sei o shikakeru koto wa kano desu ka? Contre l'Académie Hanzo. Sensei, onegai shimasu. Nama nurui kanke dake de wa shinobi no michi wa kiwamerare nai ni. On a aussi le droit de se battre contre des bons Shinobi, d'accord. D'accord, et d'abord on va aller donc taper l'Académie d'Hanzo. D'accord. On va... I will crush your... Je vais écraser ta petite fille adorée. Et tu seras la suivante. Prépare-toi à laver ces fraises avec l'océan infini de notre colère. Soit. Bon. Le mal peut consumer le bien et le bien peut tomber dans le mal, d'accord. Je n'ai jamais vu le mal se transformer en bien. Je n'ai jamais vu la lumière dans la noirceur, pas une fois dans toute ma vie. Cette histoire est à propos de notre propre combat pour protéger le bien dans cette vie. D'accord. Non, je veux voir le gameplay, moi. C'est ça ce qui m'intéresse. Ok. Parce que je suis ici de visuel novel, soit, mais on va pas passer 3 heures à traduire des textes non plus. Ça va emmerder tout le monde. Alors. Ninja Room, donc un fort pour tous les étudiants Shinobi. Tu peux examiner les objets avec A pour ouvrir divers menus et des écrans. D'accord.
Ok, nous avons la dressing room. On peut personnaliser l'apparence de notre personnage. Appuyez sur LB ou RB sur l'écran d'équipement pour changer de personnage. X pour montrer le personnage en full screen mode. J'ai lu Enhance Ad... Ah non, mais tout va bien, regardez, c'est des uniformes. C'est... Qu'est-ce que... Non, c'est des uniformes, il n'y a rien de... Voilà. Faut pas paniquer non plus, hein, les gens. Là. Je vous sens... Je vous sens stressé d'un coup. Oui, bon, ok. Vous savez quoi, ça, c'est un peu limite. D'accord, j'entends. Je vous sens stressé là d'un coup, je comprends pas ce que vous avez. Si tout va bien. Bon, elle par contre, non. Hein. Elle c'est. Oula. Minori, hein. Minori, on retient que grand nom. Hein. C'est. Ah oui, c'est bien celle-là, oui. Ah bah c'est, je la préfère. Ah oui, quand même. Oui, c'est. Je suis revenu sur le costume qu'on était en train de regarder juste avant le. Oui, c'est. Alors, c'est pas une question de shame les Big Boogs, hein, du tout. Hein. Ah oui, d'accord. Et je peux changer la caméra en fait pour voir ce que je veux en fait. Est-ce que je peux trouver un costume qui... Voilà, attendez, vous faites quoi on... Voilà. C'est le fait que... C'est cette... Voilà, attendez, voilà. Mais je n'ai pas envie que ce soit le centre du stream non plus. Ce contenu ne doit pas être le centre du stream, je vous le rappelle. Mission Dojo... Alors attendez, juste deux secondes. D'accord, ça c'est pour sauver, ok. Bien joué avec tout ça. Oui, 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 on y arrive. Est-ce que les tutoriels sont là-dedans aussi? D'accord. Je comprends votre point sur les doublages. Dojo. Ah, il y a du multiplayer online, dis donc. Honor Roll, View Leaderboard. D'accord, très bien. Battle Tip. Ok. Store ? Comment ça, store ? Acheter des items et jouer à la lingerie de la loterie avec les ennemis que vous avez obtenus en complétant des missions. Plus de missions que vous faites, le plus d'items vous pourrez libérer. La lingerie de la loterie est un... lingerie de la loterie est un item qui utilise des zénis pour vous rapporter de la nouvelle lingerie. Oreilles de lapin, Chinese Urban, oreilles de chat. Costume de maid. Sexy maid, hein, d'accord. Les images, les musiques, très bien. Bon, soit. Hein. D'accord. Bien. Bon, les missions. Le jeu, on est là pour le jeu. On peut jouer les missions et les tutoriels. D'accord. Et Shinobi Girls Art, les submissions. D'accord, ok. Stories pour révéler les personnalités et les mécanismes intérieurs de chaque étudiant individuel. Bisous Dame Tempête. Bon, tutoriel. Tutoriel basique. Oui. On va faire les tutos quand même d'abord. Soyons sérieux.
X pour peu avoir une attaque faible. Y pour les attaques fortes. D'accord. Et des chaînes selon le timing des presses. Ok, très bien. Plus tu fais de combo, plus tu gagnes d'XP. Ok. Presser et garder Y pour faire un Bridge Heart qui peut casser la garde des ennemis en un seul coup. Ok. D'accord. Direction Oath pour loquer un ennemi. Mais si tu es trop loin de l'ennemi, ça va casser le lock. Ok. D'accord, la caméra est opaque raide déjà, ça commence bien. Pourquoi il me lock le mauvais? Ok, je viens de... Hop, oui. Bon, le système de combat est agréable déjà. Quand tu es en cours de saut, tu peux faire une attaque aérienne en appuyant sur Y ou X. Les attaques aériennes... d'accord, très bien. D'accord, ça peut être des launchers aussi. D'accord, ok. X peut être un launcher, mais Y ramène toujours l'ennemi sur le sol. Très bien. Les ennemis. Ah bonjour, vous tombez bien. D'accord, les dash avec B. B presse A pour B si tu maintiens qui permet de faire des dash plus longs. Ok. Aerial Rave Attack. D'accord. Ok. Pour les deux secondes, là j'ai pas compris pour le coup. Techlist. Chase a launched me with B, then perform an iron rave with X. D'accord. Lancer Launched Enemy with B and perform an aerial rave with X. X, X, X. D'accord. X, 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 X. Non, ça j'ai pas compris. Je veux bien, mais comment je... Attendez, on va ici. Ça, normalement, c'est un vrai ennemi en l'air. Si je fais saut et... Ah, c'est censé envoyer l'ennemi en l'air. Ensuite, je fais... Non, d'accord. Non, il meurt trop vite. Bon, ok, non, je l'ai pas. Une question de timing. Bien, c'est pas grave. C'est pas grave, je pense que j'ai entièrement compris le gameplay déjà. C'est quoi cette chauve-souris? J'ai le doigt sur le bouton.
Je... D'accord, ok. D'accord, c'est le bloc. Ça, les chauves-souris, c'est le blocage. Ok. Non, en fait, reste de dos. Tant que tu es de dos, tout va bien. Je croyais vraiment pas dire ça un jour, mais... Oui, non, on va peut-être changer de personnage. Je pense que le problème, c'est le personnage. Je suis certain que le costume B des autres, il est beaucoup mieux. Il est moins dangereux, disons. Très bien. Je pense qu'on a tout compris du tutoriel. Je pense que le tutoriel est compris. Je crains rien. Ah, LB, Y, d'accord. Non, ce sera pas un let's play 100%. En fait, je pense que ce sera pas un let's play 10%, pour être franc. Voilà, on va reprendre elle. Vu que c'est la perso de base, hein, visiblement. Bon. Je suis certain que ça va bien se passer. Chapitre 1. Enjoy life. Je dois battre le boss. Là, j'aurais pu changer la difficulté. Bon, ça va bien se passer. Je suis pas eu le temps de lire l'écriture. Bon, du coup, on va s'entraîner. D'accord, excusez-moi de passer les dialogues, hein, mais... Ah, puis qu'est-ce que ça cause? D'accord, on va tabasser une petite fille. Parfait. Tabasser une petite fille, ça je peux le faire. Enfin, petite fille, bref. Je n'ai pas spécifiquement demandé à changer de personnage. Ah non, je joue la petite fille! Alors déjà, non, hein. Salut, Columa. Pour l'instant, ça va. D'accord, mission ratée. Très bien. Qui dit de se battre avec un saut, on est d'accord. Peut-être qu'il faut quand même que je finisse le tutoriel avec le recul. C'est avec un autre costume, ça irait mieux. Pourquoi pas?
C'est Fitness Data si tu y tiens, oui, oui, tu sais quoi, je... pas grand chose à perdre, hein, techniquement. Donc... Non, on va quand même essayer un autre costume. Ah, faire une transformation Shinobi, ça rend tous mes HP, en fait. C'est une info, ça. Changer de caractère avec LB, RB. Oui. Je teste les différentes touches, hein, juste pour voir ce qui... Zoom in, zoom out. D'accord. Display. Right click with the mouse to touch your character. Non. Non, j'essaye de toucher, il ne se passe rien. Non, je touche, hein. Je touche, right click et... Il ne se passe rien. J'ai essayé. J'ai essayé, il se passe rien. Ça doit être... La feature doit être cassée. Hein, je pense que c'est ça. C'est que c'est un problème avec la feature. C'est... Voilà. Hein, on se... Détendez-vous. Tout va bien. C'est juste la feature. C'est... Voilà. Quand mon curseur, c'est chez vous. Ah oui, mais non, mais ça c'est... Oui, non, ça c'est le multi, ça. Non, je croyais que c'était le... Oui, non, mission, c'est ce que je cherchais, pardon. Excuse-moi, j'ai un truc qui m'a perturbé, je ne sais pas quoi. Refaisons le basic training. Lecture, c'est quoi? Refaisons le basic training, à mon avis, on va comprendre ce coup-ci. On refait juste un essai de tutoriel. C'est important. Oui, on a compris. Ça, c'est bon. Ça, j'y suis. Ça, on y était. Ça, c'est bon. On relira bien le tutoriel du truc pour les aériels, machin. Vous êtes où, les sacs? Merci. Ok, très bien. Vous savez quoi? On va le faire là en bas, ça plus simple. Ça va être cribouin quand même celle-là déjà. Bon. Voilà. Essaye de. Donc. Non, ça c'est. Ok. Mais non, mais merde! Pressez X et peuvent lancer les ennemis en l'air parfois dépendant du personnage. Y va toujours. Ok, d'accord. Donc. Non, lui, elle, son attaque aérienne. Son X, elle pointe clairement vers le bas aussi. Je sens que ça va pas être chiant tout à l'heure, ça. D'accord, c'est. Son style, elle, c'est très subtil quand même. Ok. Donc, presser B peut aussi être utilisé pour canceller une attaque. Dodge and cancel combo, we allow to flash quickly. Ok, d'accord. D'accord. Continue à appuyer sur B pour faire un long dash. D'accord. Hop, 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 ça c'est vite fait. Et merde, ça a passé le tutoriel, putain! Attends, il y a un ennemi qui saute tout le temps, d'ailleurs, il y a une raison. Non, je n'y arrive pas. D'ailleurs, il y a une logique que je ne comprends pas. Je dois appuyer sur une touche sur laquelle j'aurais pas dû appuyer. Ah oui, 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 non, là, oui.
Non, ok, d'accord. Elle a des pansements sur les tétons. D'accord, très bien. Pourquoi ? Quel est cet enfer ? Ok, donc ça, c'est définitivement la touche de bloc. D'accord, ça, je comprends pas trop ce que c'est, mais ok. Et on peut charger les attaques, ça c'est bientôt aussi. Cette touche là pour bloc, ok. En même temps contre eux c'est tout simple, après c'est... J'aurais essayé le free training. Décache tes tons, oui. Oui, oui. Bon, ok, on regarde de nouveau. Techlist. Ariel Rave. C'est use waste of time to look... Ah, Old X. Attendez, on va essayer ça. D'accord, oui, je peux traverser la moitié de la map, en fait, si ça me chante. Pourquoi je fais une chose pareille, je ne sais pas, mais... C'est bon à savoir. Ok, très bien. Vous savez quoi, je suis prêt. On va faire un deuxième et dernier essai sur cette première mission. Et si ça foire, on passera sur Bon Appétit. Je pense qu'on aura vu ce qu'il faut voir du jeu. Chapitre 1. Ah oui, là on était en difficulté 1 du coup. On n'était pas en difficulté hard, on était en difficulté easy. Ah, je peux choisir mon Sinovi, d'accord. Bon, on va prendre Yumi. Hein, Yumi c'est bien, voilà. Ah, c'était plus des pansements... Ah, on peut passer l'histoire en appuyant sur Start. Voilà une bonne, excellente nouvelle. Dual set of move, temporary router... Mais non, mais je joue de nouveau avec la gamine. C'est mieux de me faire torcher le fion. Gagmi. La traduction de ce qui s'est passé sur l'écran là où, a dit ou Gagmi. Elle est en sous-vêtements. Oui, ironiquement, elle est plus habillée après sa transformation. D'accord, c'est sa super attaque spéciale. Tout va bien. Attendez. Voilà.
Je me transforme aussi parce que c'est pas juste. Oh, ça va. Non, presque. En plus, elle m'a empoisonné. Empoisonné ? D'accord, je ne peux pas faire de... Mais elle arrête pas de balancer son attaque spéciale, moi aussi je veux balancer la mienne. Comment je balance mon attaque spéciale ? Moi aussi, je veux spammer ma spéciale, bordel. Et merde. Bon, si je perds là, c'est ridicule. Deux secondes. Non ! Ok. Mais j'utilise la garde. J'ai essayé d'utiliser la garde plus que autant que possible, mais bon. Ça n'a pas fonctionné. Parce que de toute façon, à chaque fois que tu lâches la garde, mais il y a un truc, il doit y avoir moyen de balancer des attaques spéciales et comme je ne peux pas finir le tutoriel, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai level up, j'ai gagné 2 points d'attaque, 2 points de dépense, ce qui va faire toute la différence. Sûrement pas. Bon. Non, ça va aller. Moi, j'ai plus spécialement envie, là, mais c'est gentil. Ok, on va essayer Bon Appétit, parce que bon. Ça, c'est un truc que je maîtrise pas, mais si Bon Appétit, c'est un simulateur de cuisine... Enfin, simulateur de cuisine, ça, je maîtrise, vous me connaissez, moi. Voilà, j'ai des domaines sur lesquels je maîtrise. La cuisine, ça devrait bien se passer. Oui, bonjour tout le monde. Ah, je peux change school directement là-dedans. C'est une info, ça. All unsafe progress will be lost. Bah, j'espère, oui. Bien. Comment je quitte le jeu ? Exit. Ça va bien se passer. J'ai peur qu'il n'y ait pas grand-chose sur le tablier. Mais non ! Mais écoutez, on va être franc. Voilà. C'était pas si pire que ça, là, le premier. Ça s'est globalement bien passé. Je suis sûr que le deuxième... Bon appétit, là, ça va être nickel. Je suis sûr qu'il n'y aura aucun souci. Limite, même pas la peine que je garde le bouton d'alerte, quoi. Safe. J'annonce qu'on sera safe. Que la capture va bien se passer une nouvelle fois. Oui. Dans le doute, on fera pas de VOD. Mais si ! C'est, hein, y a bien pire qui passe sur YouTube depuis longtemps, là. Sizzling, steaming, d'accord. Senran, oui, ok. Oui, bah c'est festif pour l'instant, tout va bien. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. J'avoue que pour un truc de cuisine, c'est quand même extrêmement badass comme introduction. Je...
bien. Je suis certain que ça va bien se passer. Celui-là est dans la bibliothèque Twitch. Donc celui-là, il n'y a pas de souci. Celui-là, c'est open. La super assiette. Un doux et beau son qui sort de ces mots. Je m'en fous. En fait, je viens de me rendre compte que je m'en fous du scénario. They bring to make great cooking and great racks. Bonjour Nicolai. Great cooking. Oh putain, merde. Voilà, on va passer. C'est compliqué de lire dans ce sens-là. Story mode. Non. Arcade mode. Voilà, arcade mode. Très bien. D'accord. D'accord, c'est une série d'icônes qui représentent les divers boutons. Ok. Des icônes peuvent être jointes par une longue ligne. D'accord, ok, très bien. Press the icon exactly as many times as the number on the screen. D'accord. Ok, d'accord. Appuie sur LB ou RB pour faire un Ninja Art. D'accord. Ninja Art, c'est grosso modo le Star Power dans Guitar Hero. Ok. Ok. Bataille en 3 rounds. D'accord. Très bien. Ok. Il faut presser le bouton où est Ninja Star. Marvelous New Perspective awaits you. Je m'attends tellement au pire. Bonjour Corbidales. Je sens qu'il va falloir que je fasse quelques erreurs obligatoirement. Hein, parce que Oui, on va faire des erreurs. Hein. Mon dieu. Rien que l'écran de sélection de personnages, déjà, c'est un problème. On va prendre Yumi. Voilà, Yumi, elle a l'air très bien. Okay, c'est quoi elle? Voilà, elle fait des pizzas. C'est très bien. On va essayer en easy, déjà. Voilà, elle a l'air habillée. Parfait. Alors, les restes d'hier soir, des bâtons de légumes crus. Il faut que j'appuie sur quelle touche, du coup? D'accord. Ah oui, c'est un rhythm game. C'est un rhythm game pur et simple. Ok. Thank you.
Mais merde. Ça va, mais Rhythm Games, c'est... Par contre, les chansons sont longues quand même. Le pire, c'est qu'en tant que jeu de rythme, c'est pas désagréable. Hein. Verdict. Ah, c'est le taste test. C'est ça, on met rapidement sur clip. Hein. Oh, putain. Apparemment, j'ai perdu. Apparemment, j'ai... à la fin, j'ai perdu. D'accord. Je... Ben merde. Ben attendez, on va réessayer quand même. Où est-ce qu'on essaye le story mode ? On va essayer le free mode. Ok. On va jouer avec Ryobi, qui a l'air sympathique, et on va se battre contre... non, pas Minori. Minori, je veux plus jamais la voir. Voilà, contre elle. Un jeu, j'ai passé dans l'autre con, trop de miss sur la fin. C'est rude, quand même. Salut Marion. Ah Marion, quelle heure cet après-midi au fait ? D'accord, de... Ok, très bien. C'est trois plats qu'on va faire chacun. D'accord. C'est quand même pas la... C'est quand même pas la même chanson. Ok, là je suis dedans. Là je suis dans le rythme. C'est vrai que je me suis pas servi de mon pouvoir spécial là aussi.
Si je me sers de mon pouvoir spécial, ça se passera mieux. C'est des jeux qui sont légèrement tendancieux, Marion, je vais prendre des protections. Jusqu'ici, c'est quand même vachement plus simple que le niveau qu'on a fait avant, j'ai l'impression. Ça ou j'ai le talent qui monte. Oui, c'est le talent, oui. Après, je pense que le fait de savoir... Voilà, voilà, c'est bien comme ça aussi. Oui, vu ce qui se passe à l'arrière, c'est très bien comme ça aussi, en fait. Hein, c'est bien, ça. Ah, c'était A, pas B. Bref. Pas très grave. On ne saura pas ce qui se passe quand on fait un full combo. La loutre est afin de protéger ma carrière sur Twitch, effectivement, Marion. Ça va, j'ai fait une erreur. Ça te fait pleurer même. Stourifique. Oui bon, 243 à moins 100. D'accord, elle est à poil. Je vous spoil, elle est à poil. Hein. Alors, elle a des petites... son avatar, en fait, sur les tétons et une espèce de grande lumière au niveau du bassin, mais elle était à poil. Entièrement. Voilà. Voilà, voilà. Hein. Bien. Enfin, bien. Pas bien, quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je crois que j'ai libéré un truc de lingerie, mais je ne vais même pas être au courant. Peggy 16, hein. Oui, on le rappelle. C'est important. Je... Non. Nope. Pardon, on va enlever la loutre. On va refaire un dernier essai en arcade, et puis on va
On va passer sur The Outer Worlds, je pense, pour le reste du stream, hein, parce que, bon, c'est... Je cherche un personnage qui a l'air safe dans ce jeu. C'est safe. Elle a l'air safe. Voilà. Elle a l'air safe. Juste quelqu'un de safe. Elle a quand même l'air très très proche de ce sushi roll. Ce que je respecte. Ok. Bien. Le pire, c'est que le gameplay est vraiment agréable. Voilà, on active tout de suite le turbo. Enfin, le Star Power. Histoire de mettre toutes les chances de notre côté. Non, ça va encore. Ça va encore. J'ai été un peu rapide sur la loutre, là. En même temps, je préfère être rapide sur la loutre que trop long, hein, pour être franc avec vous. Pas prendre de risques inutiles. Là, vous allez me dire, si tu voulais pas prendre de risques inutiles, fallait peut-être pas streamer le jeu. J'entends le point. Je sais pas, je dois être désensibilisé à force. Réactif, hein, sur la censure quand le cœur va arriver. Voilà. Merde ! J'ai appuyé sur la touche Windows, ce qui a caché en fait l'endroit où je devais taper les touches. Ah. Voilà. Je pense qu'on aura gagné. Je pense qu'on a gagné. Merci Marion en tout cas pour tous ces fun facts à propos des loutres. Oui, bon, bah, le mien est plus gros que le sien, hein, ça c'est... J'avoue que ces animations sont absolument top. J'avoue que ces animations sont merveilleuses. Oh,
Et est à poil. Et de nouveau les petits cache-tétons, et sinon il n'y a plus rien d'autre. Deux battes quoi. Attention, je prépare de nouveau au cas où. Oui, je sens que ça me... Voilà, oui. Ouais, c'est toujours... Elle est enroulée autour d'une banane, dans une sorte de crème glacée, mais elle est en train de se frotter très lassivement une banane, en fait. Bien, voilà. Non, ça va aller. Ah non, ça... D'accord, bon. Apparemment, le jeu tient à ce qu'on fasse un niveau en mirror match. Nous allons faire un niveau en mirror match. On quittera après. Pourquoi je me ressemble pas de l'autre côté ? C'est perturbant. Je dois dire que je m'attendais pas à un rhythm game en fait. Je sais pas trop à quoi je m'attendais. Ok, on est prêt. On est prêt, on est ready. Non, ça passe. Ça passe, tout va bien. Ça va encore. Le père, c'est vraiment en tant que jeu musical, hein. J'ai joué à bien pire. Bon alors. La bonne nouvelle, c'est que... La bonne nouvelle, c'est qu'on est bien parti pour faire un perfect. La mauvaise nouvelle, c'est que je vais avoir un cœur. Ce qui veut dire qu'il va falloir que j'appuie sur le bouton de censure et que je gère le reste en même temps. Ok. Et en fait, là, sur ces moments-là, vous avez le cul ou les seins de l'autre personnage en méga gros plan, avec juste un fond rose, et elle vous jette des regards lascifs, en fait. Merda ! Ok, je n'aurai jamais le super combo. Je fais mon deuil. En tout cas, pendant que je diffuse ce truc. Sinon, je peux juste miss le cœur. Oui, mais si je miss le cœur, j'ai pas le full combo. C'est pas l'idée. Pendant que des ouvriers du bâtiment sont rassemblés devant ma fenêtre. Je me demande pourquoi. C'est pas une vanne en plus. Ils sont deux, ils sont en train de regarder très fixement. Donc... Salut.
Non, ces animations sont vraiment magnifiques par contre. Ah, il voit mon écran, oui, ça je te confirme. Là, depuis que je lui ai jeté des regards, il s'est un peu déplacé. Non, il vient de se remettre en place. Non, ces animations sont vraiment merveilleuses. À elles seules, elles valent le coup. À Welp. De nouveau à Welp, hein. C'est ça le truc. 2,4 mètres et peser jusqu'à 45 kilos, c'est impressionnant, ça, quand même. Ok, très bien. Et j'en déduis du coup que, à nouveau, oui. Voilà. Non. Pardon, j'ai appuyé un peu rapide. Bien, Alt F4, donc vous disiez... Oh, ça marche très bien, ça, Alt F4. Oh, c'est chouette, Alt F4. Voilà. Bien. C'était Senran Kagura Shinobi Versus et Senran Kagura Bon Appétit. Nous allons arrêter ici cette expérience trimesque hein, qui nous avons essayé. Voilà, vous savez quoi, on va dire ça. On a essayé de faire quelque chose. Nous avons découvert ces jeux et leur gameplay. Ça va aller. Hein. C'est vraiment point trop n'en faut. Hein. Allez, merci YouTube. Au revoir, bisous.